Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous avons relié en 134 km l'essai à Vilnius, ce qui fait donc en tout 1101 km. Le temps a empiré et nous avons dormi dans une grosse tempête la dernière nuit dans la tente. Et heureusement, la tente a été OK, même s'il y a quelques fuites à l'intérieur. Enfin, nous avons attendu à Vilnius pour faire une pause et la vie est charmante. Nous avons beaucoup de travail avec ce projet. Mais maintenant, cela va être plus facile car nous savons que nous avons accompli plus de la moitié du voyage. On est le focus. Vas-y, mais. Voilà. Et donc là, on est vendredi soir. L'article est déjà sorti. Et on est toujours en train de travailler sur le vlog. Et donc j'étais en train de faire des plans dans l'appartement pour préparer une partie poème avec le vlog. Et puis plus je filme, plus je me suis. Enfin, plus j'ai filmé, plus je me rendais compte que peut-être ça vaudrait le coup de garder cette partie sous le coude pour la travailler cette semaine et la sortir dans une prochaine vidéo. Et donc là maintenant je me retrouve avec, une énorme partie du vlog amputée. Et je me suis dit bon, que faire ? Pour les peu qui nous suivent actuellement, à la base on avait prévu de faire un article plus une série de photos et un vlog par jour. Bien sûr, le projet évolue tout au long de l'aventure, car c'est un peu ce projet-là est un projet exploratoire. On explore vraiment les médiums. Étant donné que le projet est très demandeur en termes physiques, on est très fatigué et avec Et la partie centrale du projet, ce sont vraiment les articles et les photos. Donc ça, c'est la partie qui ne doit absolument pas bouger. Chaque semaine, la qualité doit être au maximum de ce qu'on peut produire. Le vlog nous sert plus de variable d'ajustement. Et c'est pour ça que maintenant, nous sommes passés sur un vlog toutes les deux semaines. Les vlogs, c'est vraiment là pour occuper le terrain sur YouTube et explorer le médium vidéo. On explore vraiment les médiums pour que le projet suivant, où on souhaite faire ça de manière professionnelle, c'est-à-dire avec des sponsors, on ait vraiment du contenu beaucoup plus solide et professionnel. Merci. Bonne journée. Le but avoué des vlogs, c'est de faire des gros plans sur ma face en sueur et sur ma barbe. Ah putain, qu'est-ce que c'est dur de faire des vlogs.